L'année dernière, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine et première étape de ce périple, Yanbian, la préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin, très fière de leurs racines et de leur culture. Les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leurs instruments de musique et leur danse. À tout âge de la vie, les membres de la minorité coréenne puisent leur énergie et leur jeunesse d'âme dans le pouvoir de la musique traditionnelle, dont les rythmes sont relativement simples mais dont les racines remontent aux temps les plus reculés, à l'époque où étaient pratiqués de nombreux rites chamaniques destinés à chasser les esprits malins et attirer les faveurs des dieux. La légende raconte que le gayagum a été inventé au 6e siècle de notre ère par le roi Gachil. Le monarque se serait inspiré d'une sitar utilisée par des moines bouddhistes chinois venus évangéliser la péninsule coréenne. C'est une musique très rythmée, vous voyez, c'est très... utiliser ses doigts très rapidement. Dans cette école de Longjing, les fillettes apprennent à jouer du gayagum dès l'âge de 7 ans. On suit. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 동경이라고 합니다. 출생지원은? 我妈妈从小就教我练。哦，你在家跟你妈妈睡是吧？是。你下课以后，我们可以一起去你的家，你妈妈和你可以教我。 这个还行，我来试一下，好吗？是是 très gentil, Jake. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est très facile et c'est enfantin puisque c'est exactement comme en Occident. Donc même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Changement de décor à Wangqing, où un groupe de retraités interprète une danse agricole narrant une petite histoire humoristique. Ici, il s'agit d'un homme frivole et de femmes jalouses. L'homme finit ridiculisé et moqué par tous pour son comportement indécent. Eh ben, c'est pas toujours beau les danses coréennes, hein. Ces personnes derrière moi ont plus de 50 ans et ils sont bien bien plus en forme que moi. Les danses traditionnelles de ce type, que l'on appelle kumul en coréen, ont des origines très anciennes et sont liées à des rites agricoles immémoriaux. Elles sont transmises de génération en génération et se jouent très souvent en plein air. Auparavant, seuls les hommes avaient le privilège de pratiquer la danse du ruban fixé à leur chapeau et qui met les cervicales à rude épreuve. Mais cette tendance a fini par se démocratiser et à s'appliquer également aux femmes. Hunshun est un village au climat rude, balayé par des vents glaciaux en hiver. Mais ses habitants estiment que le pouvoir de la musique leur réchauffe le corps et l'esprit dans les heures les plus froides. Le janggu, littéralement tambour à bâton, deuxième instrument le plus important en Corée, est devenu depuis un symbole du pays. La musique chez l'ethnie coréenne, vous avez vu, c'est de 7 à 77 ans. Les petites filles apprennent à jouer du piano à cordes. Chez les plus âgés, on peut aussi s'amuser, danser, chanter, jouer de l'accordéon. Donc en fait, la musique, c'est vrai, ça n'a pas d'âge.